Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit vlog. Ça faisait longtemps que j'avais pas vlogué, donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog. Je sais pas si vous le savez, mais je fais partie de l'équipe TEDx La Baule. Je suis à la fois coach orateur et puis j'interviens également au nom de l'association dans les lycées pour aider les terminales à préparer l'épreuve du grand oral, qui est une épreuve de prise de parole en public. Le TEDx, c'est vraiment une grande passion pour moi. Quand j'habitais aux États-Unis, je suivais pas mal les TEDx et j'ai toujours adoré cette organisation. Ça peut passer par le marketing, la science, la musique, la psychologie, le développement personnel, l'écologie, énormément de sujets, et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est complètement divers et varié. Chaque événement a un thème général et puis différents orateurs qui viennent parler de leur expertise au niveau d'un sujet. Le but est vraiment de partager ces idées dans la communauté, faire avancer les choses. Des fois, les gens vont parler de nouvelles découvertes. Et c'est pour ça que je trouve vraiment cette organisation passionnante, avec des sujets passionnants, des conférences passionnantes. Et donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, pour ceux qui habitent dans la région de la Loire-Atlantique, il y a un TEDx à La Baule. Il y a aussi un TEDx à Nantes, mais c'est pas les mêmes équipes. Et moi, je fais partie de l'équipe TEDx La Baule. Et ça a vraiment été un rêve pour moi que de pouvoir rejoindre l'équipe du TEDx La Baule. Quand j'ai vu qu'il y avait un TEDx à La Baule, j'ai été vraiment ravie de pouvoir rejoindre l'équipe. C'était vraiment un rêve qui devenait réalité. Bon, trêve de blabla sur mes rêves et tout ça. Aujourd'hui, on est vendredi 1er avril et c'est le jour de la répétition avant le TEDx, puisque le TEDx La Baule aura lieu demain à partir de 14h30. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est un peu la répétition et donc je vous emmène avec moi pour cette petite journée de répétition. C'est parti! Et voilà, je pars pour rejoindre l'équipe à la salle Atlantia à La Baule pour les répétitions, puisque c'est là que va avoir le show du TEDx. Bon, autant la semaine dernière il faisait un temps magnifique, autant là, ça caille les miches. On n'a jamais été aussi près, on passe les portes des répétitions. Alors, un TEDx, ça met un petit peu de temps à se préparer quand même, hein. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Toute cette jolie salle va être bien remplie demain. Il faut trouver le thème qui doit être intéressant, mais qui doit être aussi validé par la fondation TEDx France pour le coup. Et puis après, chaque pays a un référent TEDx pour s'assurer que la charte TEDx soit bien respectée, étant donné que c'est une licence qu'il faut obtenir. Et ensuite, il faut bien respecter la charte TEDx pour pouvoir utiliser le nom TEDx. Ça semble assez logique jusque-là. Il faut un comité de pilotage, des bénévoles, des sponsors et bien sûr des speakers, c'est-à-dire des orateurs. Parce que bah, sans orateur, pas de TEDx.
coucou, il est 6h33 pour être précise et je remonte dans ma voiture, les répétitions sont terminées, on y a passé tout l'après-midi et encore, il n'y avait pas encore tous les intervenants parce qu'il y a des intervenants qui n'arrivent que ce soir ou demain et donc on aura d'autres répétitions demain matin. Dont la personne que je coach, elle, cette personne, ce sera demain matin sa répétition. Donc j'ai hâte de voir sa performance. Et puis la journée n'est pas finie parce que eh bien on va aller prendre un petit cocktail avec l'équipe, toute l'équipe TEDx et puis les intervenants. Donc c'est chouette parce que ça permet de faire plus ample connaissance avec les intervenants parce que moi à part la personne que je coach j'ai eu aucun contact avec les autres intervenants donc c'est super top donc je démarre et puis c'est parti. Il a pris mal tous les jours. Oui, il a pas pris les gosses. Tous les jours. Non mais il a commencé du propre lui-même. Il n'aurait pas dû continuer. Recoucou. Je vous reprends. Alors oui, pour moi, il s'est passé quelques heures depuis la dernière fois que je vous ai repris. J'ai pas pu beaucoup filmer pendant la soirée cocktail parce que notamment à cause du droit à l'image. Donc du coup, j'ai que très peu filmé. Là, il est 22h30 et tout le monde part se coucher pour être en forme pour le TEDx de demain. Hello à tous, nous sommes samedi matin, il est 9h35 et là, eh bien, je file à la salle Atlantia pour continuer les répétitions. J'ai dormi 4h cette nuit, je suis crevée, mais pas le temps d'être fatiguée parce qu'il y a quand même une très très longue journée qui nous attend. Donc c'est parti pour le grand jour. Cette année c'est un peu spécial parce qu'on a dû annuler le TEDx de 2021 étant donné que le gouvernement avait décidé de reconfiner à ce moment-là. Donc on a dû annuler et plutôt que de complètement annuler parce que nos orateurs s'étaient quand même bien préparés, on a décidé de plutôt reporter à 2022. Donc finalement, ce qui aurait dû être la quatrième édition cette année, c'est la troisième édition, avec du coup les mêmes orateurs qu'il devait y avoir l'année dernière. Donc ça a permis de se préparer, voilà, on a mis 2 ans pour se préparer finalement à cette nouvelle édition TEDx. On a vraiment une super équipe, c'est vraiment, il y a une très bonne entente au sein de l'équipe, c'est des gens très bienveillants, on est dynamique et on a vraiment à cœur d'organiser un bel événement. Hop, on prépare tout pour les festivités parce qu'il y aura un petit cocktail à la fin. Donc c'est de là, sur ce gros rond rouge, que vont parler nos orateurs. Et là en fait, ils auront le timing pour savoir où ils en sont dans leur conférence. Et puis voilà, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Peut-être un jour j'arriverai à être sur ce rond-là. Le TEDx, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un événement qui au départ est américain. Et en fait, TEDx, c'est un acronyme pour Technology Entertainment Design. Entertainment, ça veut dire divertissement. Et leur slogan, c'est Ideas Worth Spreading. Donc des idées qui valent la peine d'être répandues. Les loges ici sont relativement rudimentaires, hein, mais bon. Ce qui est important, c'est la bonne ambiance. Et là, la scène est juste là. Et donc là, quand on passe là, le stress est à son comble. En général, le trac monte parce que on s'apprête à entrer en scène. C'est impressionnant quand même, hein. C'est impressionnant. Doudoudou. Ah yeah, on est sauvés. Les lettres TEDx sont arrivées. C'est ça aussi les aléas de l'organisation d'un événement. C'est que des fois, tout ne se déroule pas comme il fallait. Mais là, c'est bon. On est sauvés. Ce sont des événements de conférence et c'est un format de conférence un petit peu particulier qu'on va appeler des talks. Parce que ça va être un format de conférence qui va faire 18 minutes au maximum. Donc c'est un petit format de conférence sur à peu près
tous les sujets, puisque c'est des idées qui valent la peine d'être répandues. Alors du coup, dans toute l'organisation TEDx, je passais par là, et donc j'ai fait la rencontre de Sixtine. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe ici, du coup, à cette table? Donc cette installation représente notre consommation personnelle annuelle de plastique à raison de 5 grammes de plastique par semaine. Donc sur une brochette, nous avons 5 grammes de plastique. C'est exclusivement du plastique que j'ai ramassé sur la plage. Et la tige fait 14 cm de long. 14 qui reprend l'objectif de développement durable numéro 14 des Nations Unies, qui vise à avoir une gestion consciente de la mer, donc protection de la vie aquatique. D'accord. Voilà. Et donc ici on a les 12 mois de l'année, dans ces 12 assiettes. Donc qui représente notre consommation de, exactement, de plastique. Oui, par personne, individuelle. Ah oui, quand même. Oui. Ça surprend quand même. Ça surprend. Et il y a aussi une idée de. Enfin, vous pouvez remarquer que la vaisselle est ancienne, parce qu'il y a une idée de génération. C'est-à-dire que le plastique, nous, qu'on voit aujourd'hui, il sera pour les générations de demain. Donc c'est pour ça qu'on a une table dressée de manière assez classique. D'accord, bah, super intéressant. Eh ben, merci beaucoup. De rien. D'intervenir. Alors il est pugnace. Pugnace et rêveur. Il y a tout un petit parcours pour rejoindre les arrières de la scène. Et là, donc, on s'approche pour entrer dans la derrière la scène. J'ai pas pu vous prendre tout à l'heure parce que j'attendais que mon orateur passe. Tac. Là, on est pendant la pause et on prépare les orateurs pour la deuxième partie. Bon ben voilà, le TEDx c'est fini, il est presque 20h. On est plein de nouvelles connaissances, on est un peu crevé aussi parce que c'est une longue journée et la journée n'est pas finie puisqu'il reste encore le cocktail. Mais en tout cas c'était vraiment un événement magnifique avec des super intervenants. Donc bien évidemment vous allez pouvoir retrouver toutes les vidéos du TEDx sur la page TED officielle. Et voilà, je vous reprends que maintenant pour clôturer ce petit vlog TEDx, les coulisses d'un TEDx. J'ai pas pu vous reprendre avant parce que je n'ai pas pu filmer à la soirée cocktail parce qu'il y avait, voilà, il y avait trop de personnes et voilà, je peux pas filmer ces gens sans leur autorisation. Donc ce n'était pas possible, mais voilà, tout s'est très bien passé, les petits soucis techniques ont été résolus à temps, heureusement. Ça a été une très belle journée, un très bel événement. Donc on est, voilà, toute l'équipe est extrêmement heureuse d'avoir mené à bien ce TEDx, cette troisième édition du TEDx La Baule. Donc j'espère que ce petit vlog dans les coulisses vous a plu. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !